Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va débriefer cette belle victoire des Bulls face à Atlanta mardi soir. Victoire déjà bien utile en termes de classement parce qu'on était 10e et à la dernière place du play-in. Et Atlanta était juste derrière nous au classement. Du coup, les battre à domicile, ça nous a permis de les distancer un petit peu pour l'instant parce qu'ils ont quand même deux matchs de moins que nous avec deux victoires de moins. Donc du coup, ils peuvent éventuellement revenir. On l'avait dit dans la dernière vidéo, hein, les Bulls étaient l'équipe avec le plus de matchs disputés jusqu'ici cette saison. C'était le 32e face à Atlanta déjà. En conséquence, on avait les trois joueurs avec le plus de minutes disputées cette saison en NBA. Et parmi ces trois-là, le troisième, c'était Nikola Vucevic, qui, peut-être une conséquence de ça, s'est blessé. Une blessure à l'adducteur gauche pour Vuč, qui avait joué les 82 matchs l'an dernier, on s'en souvient, qui n'avait pas raté depuis le début de saison, et qui là devrait manquer une dizaine de jours, selon Shams, qui a tweeté hier dans l'après-midi pour nous donner un peu plus de détails. Ça a permis à André Drummond d'être titulaire sur ce match-là face aux Hawks, et on va commencer par ça. Match exceptionnel d'André Drummond. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh, c'était extraordinaire. Jusqu'ici, il avait joué que 19 minutes. C'était son meilleur total de minutes sur un match. On sait que voilà, il est plus habitué à jouer à 13, 14, 15 minutes en moyenne. Et là, pour la première fois, non seulement cette saison, mais depuis qu'il est aux Bulls, il était titulaire. Il en a joué 38 avec des stats absolument hors normes. 24 points à 11 sur 13 au shoot. Il a commencé à 7 sur 7. 2 sur 2 au lancer. Bon, ça, mais pour Drummond, c'est bien de mettre tous ses lancers. 25 rebonds, dont 10 offensifs. 3 interceptions, 2 contres. Premier joueur de la saison dans toute la NBA à faire un match à 25 rebonds. Premier joueur des Bulls à prendre au moins 25 rebonds sur un match depuis Ben Wallace en décembre 2006. Il y a 17 ans de ça. Ça vous classe une performance quand même. Il a été extraordinaire du début à la fin. Dès les premières possessions, tu le voyais, il était là, il a mis un contre sur Capella, il a pris des rebonds offensifs, il a claqué un dunk sur un super pick and roll avec DeRozan. D'entrée, c'est lui qui a donné le tempo dans ce match-là. Et ça a été tout le long du match. Ensuite, il a été absolument phénoménal. Tu as l'impression qu'il pouvait absolument rien rater. Qu'est-ce que tu peux demander de mieux à ton pivot remplaçant? Ton pivot titulaire est absent, bon, le remplaçant il arrive et boum, il te sort un 24-25. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, quelle performance! Et toute la saison, on l'a dit dans ses vidéos, dans les articles, etc. Drummond, c'est un des joueurs les plus réguliers depuis le début de saison. Il n'y a pas longtemps, il a sorti un match avec 12 points, 8 rebonds 5 interceptions en moins de 20 minutes. C'était le premier joueur de l'histoire de la NBA à faire ça en moins de 20 minutes. Là, il te sort une performance comme ça. Donc là, en ce moment, il est en pleine bourre et tu peux comment dire, que lui porter du crédit pour ça parce qu'il a toujours affiché une super mentalité cette saison. Il a toujours dit, et il l'a encore redit après ce match, que voilà, lui, il se sent comme dans sa tête, il a les capacités d'être titulaire en NBA. Il le montre encore avec ce match-là. Et avec l'absence de Vucevic pour les prochains matchs, il aura encore l'occasion de le montrer. Mais quoi qu'il arrive, il est prêt. Si tu fais appel à lui, il est là. Et c'est un exemple pour le reste du banc. Parce que là, on n'a pas Zach LaVine depuis un mois. On ne va pas avoir Torrey Craig pendant encore 2 mois. Vucevic, ça va être entre 7 et 10 jours. Mais ça peut, pourquoi pas, peut-être être un petit peu plus. Tu sais jamais si Caruso il va pas rater 2 matchs par-ci, par-là. Tu as besoin que les mecs qui prennent les minutes de ces gars-là, sont capables de répondre présent. Et André Drummond a été exemplaire, parce que ce qu'il a fait sur ce match face aux Hawks, c'était phénoménal. Et tu sens quand même que dans cette équipe, il y a des joueurs capables de faire ça. On a vu Ayo parfois s'insérer dans le 5 de départ et faire des super matchs aussi. C'est franchement voilà l'exemple à suivre. Et en termes de mentalité, d'esprit, tourner dans le collectif, les coéquipiers avant moi, André Drummond, cette saison, il se pose là, il a été absolument phénoménal. Franchement, grand coup de chapeau, André Drummond, parce que
Sortir une perf pareille, c'est pas donné à tout le monde, donc franchement c'est très très propre. Là il s'est rappelé que c'était un double All-Star de l'époque des Pistons et que c'était pas deux sélections volées quoi. Donc franchement très très bien. Le petit truc, c'est pas tellement que ça me dérange, faut pas exagérer non plus, mais forcément quand un joueur remplaçant arrive et fait des perfs pareilles, t'en as toujours pour dire, eh ben, il devrait être titulaire à la place de Vucevic. Et c'est vrai qu'il y a une telle différence de caractère entre les deux, et surtout à Chicago, où on aime bien les mecs qui vont au charbon, qui donnent tout, c'est vrai que des fois tu te dis, pourquoi on ne mettrait pas Drummond à la place de Vucevic? Le problème que j'ai avec ça, c'est que ça change beaucoup trop de choses sur le plan offensif. C'est tellement des profils différents les deux. Et on l'a vu sur ce match-là contre Atlanta. On a besoin de Vucevic, de son QI, de sa qualité de passeur. Parce que tu ne peux pas dérouler la même attaque avec André Drummond qu'avec Vucevic. Parce que tu ne peux pas utiliser Drummond comme tu utilises Vucevic en tête de raquette. Quand la balle circule d'un côté à l'autre, Vucevic, il est en point de fixation tête de raquette. Il trouve les mecs qui cut backdoor. Il est capable de ressortir la balle sur les shooters extérieurs sur des passes précises. Tu peux pas faire ça avec André Drummond. Et dans ce match contre Atlanta, et notamment au premier quart-temps, on a eu plein de possessions, parfois même à la suite, où bah, la balle circulait pas très vite, pas très bien, et on se retrouvait à forcer des shoots parce que c'était la fin des 24 secondes. Oh, vite, vite, il faut prendre un shoot et en balancer un airball ou une brique. Parce que voilà, c'était pas le même rythme, c'était pas la même fluidité dans les mouvements offensifs. Et même si Drummond apporte d'autres choses, évidemment, on a vu sur des pick and roll, et notamment celui où il claque un alley-oop sur la passe de DeRozan. Mais tu as aussi besoin du spacing que Vooch est capable de faire parce que Vooch peut aussi jouer les pick and roll, mais il peut jouer les pick and pop et ressortir pour s'éloigner du cercle et attirer les défenses. Il peut passer des ballons et du coup, bah, même les joueurs autour de ça, ils se déplacent différemment. Un Kobe White, s'il sait que Vucevic va lui ressortir la balle, il ne va pas se déplacer de la même manière que si c'est Drummond qui est servi à l'intérieur. Donc du coup, voilà, c'est plus d'automatisme avec Vuce. Et puis on parle quand même de Vucevic, c'est un mec qui, sur les 10-12 derniers matchs, tourne quand même à peu près 20 points, 10-11 rebonds et 4 ou 5 passes décisives. Donc c'est quand même pas la même chose. Drummond va apporter beaucoup plus de hustle, de combativité. Et tu as besoin de ce genre de gars-là, forcément, clairement. Et en plus, c'était super fun à observer sur ce match-là contre Atlanta. Mais dans ce qu'on veut mettre en place offensivement, ce qu'on a rabâché depuis tout l'été et qui se met en place depuis 3-4 semaines, où il y a beaucoup plus de passes, où il y a beaucoup plus de rythme, où il y a beaucoup plus d'opportunités de shoot et de passes, c'est beaucoup plus évident à mettre en place avec Vucevic qu'avec André Drummond, tout simplement. Donc même si Vucevic il va louper quelques 3 points et même parfois quelques layups, et c'est parfois très très relou, tu as besoin de ce joueur-là. Donc il va quand même, même si Drummond va assurer un super intérim, j'en ai pas le moindre doute, tu as besoin que Vucevic revienne quand même assez vite parce que ce sera quand même beaucoup plus pratique pour notre jeu offensif pour se mettre en place. Mais pour revenir sur ce match des Hawks, c'est un match qu'on aurait dû gagner. Alors on l'a gagné 118-113. On aurait dû et pu le gagner plus facilement et bien avant d'attendre les dernières possessions de ce match-là. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas contre Atlanta. On a souvent des matchs serrés. On se rappelle qu'il y en a deux qui se sont joués au buzzer l'an dernier. Un coup, c'était Griffin qui a mis un buzzer beater face à nous. Et le coup d'après, c'est Ayo qui en avait mis un sur leur parquet. Mais on aurait dû et pu gagner ce match plus rapidement si on avait été capable de faire les efforts nécessaires et la concentration nécessaire dans deux secteurs. Le premier, c'est la couverture des mecs à l'opposé sur les pick and roll. Parce qu'on avait des mecs constamment ouverts, notamment Bogdanovic. Tu peux pas laisser un shooter aussi adroit et précieux que Bogdanovic, qui, il me semble, est le meilleur scoreur en sortie de banc cette saison en NBA. Tu peux pas le laisser ouvert comme ça. Après, voilà, on s'est fait ouvrir aussi sur les pick and roll tout simple. Hein. Donc, Trae Young et Capella, on sait que voilà, c'est pick and roll, pick and roll, pick and roll. De toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo pour parler d'un match contre Atlanta,
Je répète toujours la même chose. Atlanta, 120% de leur système, c'est pick and roll, Trae Young pour Capella. Donc voilà, screen, double screen, voire stagger screen ou flare screen pour libérer Trae Young qui va ensuite envoyer des passes lobées pour Capella. Pour Capella, si le pivot qui vient faire le pick and roll pour nous, qui vient défendre le pick and roll, n'est pas redescendu sur le pivot vers le cercle, ou sinon, bah, il bénéficie de l'espace et il dégaine. Donc ça, on a eu du mal à s'adapter. Et quand on l'a fait, parce que voilà, on a eu quelques joueurs qui arrivaient à passer sous les screens, comme Javon Carter, comme Adosunmu, pour rester près de Trae Young. Et parfois, donc du coup, on arrivait à bien couvrir le pivot qui repartait vers l'intérieur. Mais problème de rotation et de concentration, du coup, ça laissait des mecs totalement ouverts à l'opposé. Et Trae Young les a trouvés. Et ça a été voilà, Bogdanovic notamment qui nous a fait mal à ce niveau-là. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose où on a manqué de concentration et d'application, clairement, c'est les box-out. On n'en a pas fait dans ce match. Et franchement, tu te rends la vie tellement plus compliquée quand tu oublies de faire les box-out. Parce qu'on a laissé Atlanta récupérer des rebonds offensifs. Il y a eu des claquettes dunk de Jalen Johnson. Sadiq Bey allait chercher des gros rebonds près du cercle. 12 rebonds offensifs, Atlanta. C'est pas normal. C'est pas normal. À chaque fois, tu avais Drummond et tu avais trois joueurs d'Atlanta au rebond. Et dès que le rebond bah, passait au-dessus de Drummond, parce qu'il ne peut pas tous les capter non plus. C'était toujours soit Sadiq Bey, soit Jalen Johnson qui récupéraient le ballon et offraient une possession de plus à Atlanta. Et ça les a remis dans le match parce qu'ils n'ont pas forcément shooté à des pourcentages extraordinaires, mais ils ont tellement eu de seconde chance que bah, du coup, tout le long, ça nous a donné un match serré où à chaque fois, à un moment, on était mené à la pause, on était mené après trois quarts-temps. Mais même quand tu passais devant dans le quatrième quart-temps, tu mettais un panier, ils en mettaient un. Tu mettais un panier, ils en mettaient un. Tu mettais un panier, ils en mettaient un. Et du coup, bah, il a fallu attendre des actions clutch à la fin de la part de DeRozan, je vais y revenir, mais aussi de Caruso, et ça aussi je vais y revenir, pendant que Trae Young, lui, shootait de plus en plus loin dans ce match-là. Il a pris des shoots 2 mètres derrière la ligne, puis le coup d'après il était 4 mètres derrière la ligne, et après il a bientôt shooté du parking. Il a envoyé des bonnes briques de loin sur la fin de match, donc des choix franchement discutables de sa part. Mais on va pas s'en plaindre. Du coup, on gagne ce match à l'expérience grâce à quelques stops et quelques hustle plays. Et il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans ce match, c'est que malgré notre maladresse à 3 points, il me semble de mémoire, on fait 7 sur 25 à 3 points, ce qui est franchement pas terrible. Je crois que ça fait 28%. Et d'ailleurs, c'est le troisième match de suite hein, où on est très très mauvais à 3 points. Voilà, déjà le match contre Cleveland on avait été dégueulasse, on avait évoqué la fatigue aussi, mais la bonne défense des Cavs. Et le match face aux Spurs aussi, on n'a pas forcément, je crois que sur ces trois matchs-là, on fait 7 ou 8 ou 9 sur 28, 31 à 3 points, ce genre de truc-là. Symbolisé par Kobe White qui a bien refroidi sur les trois derniers matchs parce qu'il est à 2 sur 21 à 3 points sur ces trois matchs-là. Mais autant lui. Que les autres, ils se sont dit bon, les 3 points ça rentre pas grave, on va faire autre chose. Et Kobe, c'est un symbole de ça parce que Kobe, pendant ses premières années, il était étiqueté comme shooter irrégulier. Et si ça rentrait pas, bah, il finissait le match avec 5 points à 2 sur 12 et il apportait pas grand chose d'autre. Là, non seulement Kobe de lui-même, il est bien meilleur parce que non seulement il est capable de donner des passes, il est capable de faire des différences en défense, mais en plus, il est capable de scorer autrement en allant attaquer le cercle et provoquer des lancers. Mais c'est ce que tous les Bulls ont fait sur ces derniers matchs. On a vu, on l'avait dit, le match face aux Spurs, 58 points inside dans la raquette, c'était notre record de la saison. Et là, sur ce match face à Atlanta, on shoot de manière dégueulasse à 3 points, pas de problème, on va aller attaquer ce putain de cercle. Boum, 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 drive, 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 lancer franc, lancer franc, lancer franc. On a mis 56 points dans la raquette adverse et on a shooté 31 lancers francs, ce qui est énorme. Et on en a mis 27. Donc ça, c'est très très propre. Et Kobe a fait 5 sur 8 au lancer franc. Alors il en a loupé quelques-uns, mais de le voir aller 8 fois au lancer franc, c'est très très bien. Et ça montre justement cette progression qu'il a eue au fil du temps de se dire, voilà, si mes 3 points ne rentrent pas, j'ai d'autres moyens d'avoir un impact sur le plan offensif. Je peux donner des passes, je peux attaquer le cercle, je peux aller provoquer des lancers francs. Donc c'est très très fort, c'est très très fort. Et puis donc il faut revenir sur nos actions clutch de la fin. DeMar DeRozan, 4 points à la pause, quelques bonnes passes quand même, hein. C'est pas comme s'il était totalement hors du coup, pas forcément ultra adroit, mais il a monté en puissance au fil du match. Quatrième quart-temps, 11 points,
dont 8 dans les 3 dernières minutes avec, bah, comme d'habitude, hein, ISO, mid-range, ficelle, ficelle. Et ce shoot à la toute fin où il est en post-op, tête de raquette, et il arrive à la mettre en finger roll pour sceller le sort de ce match, quoi. Et c'est du DeRozan dans le texte, il a toujours été comme ça. Et quel régal, tu vois, même s'il n'est pas forcément autant scoreur, et c'est justement, on en avait parlé de ça aussi, où il est beaucoup plus enclin à impliquer les autres, à donner des ballons. Il a fait plusieurs matchs à 7, 8, 9, 10, 11 passes décisives cette saison. Mais quand il y a besoin de lui pour mettre des paniers clutch en fin de match, il répond toujours présent. Toujours. C'est très très rare qu'il passe au travers. Et il l'a dit après le match, il dit, il apprécie que le coach et le reste du staff et que tous ses coéquipiers aient confiance en lui dans ces moments-là, en lui disant, on sait que tu vas nous sortir de la merde s'il y a besoin, prends les shoots, il n'y a pas de problème. Il est capable de le faire. Mais ce qu'il a expliqué aussi, et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que être ce qu'ils appellent le closer, celui qui finit les matchs, qui vraiment met le couvercle sur le match pour terminer le truc, c'est pas forcément par le scoring. Ça peut être par trouver aussi des bons shoots pour les autres, ce qu'il a été capable de faire tout au long de la saison, et pas seulement cette saison d'ailleurs. Mais c'est aussi avoir un impact défensivement pour obtenir des stops, normalement. Et superbe transition, parce qu'il faut parler de l'autre joueur qui a été ultra clutch dans cette fin de match, Alex freaking Caruso. Déjà, il a mis un 3 points, qui a fait beaucoup de bien, mais surtout, passage en force provoqué, gros contest, interception, gros rebond offensif. Il a été énormissime lui aussi. Et c'est sûr, ça se voit moins dans les stats, c'est parce que un joueur qui met 8 points dans les 3 dernières minutes pour gagner de 5 points, bah forcément, c'est le mec qui regarde que le box score, il va se dire, ah ouais, DeRozan, excellent, il était clutch. Et il l'a été, clairement. Mais Caruso, s'il fait pas les stops qu'il a fait, peut-être qu'on va en prolonger, peut-être qu'on le perd, on ne sait pas. Mais franchement, Caruso, il a été, mais encore une fois, comme depuis le début de saison, exceptionnel. Exceptionnel. Les stops qu'il a fait. Donc voilà, quand tu as deux vétérans, parce que je considère Caruso comme un vétéran, hein, même s'il n'a pas 12 ans ou 15 ans dans la ligue comme DeRozan, mais enfin, il a quand même une bague de champion NBA, il est là depuis un petit moment, mine de rien. C'est un des plus anciens de l'équipe, quand même aussi, hein, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes. Voilà, quand tu as ces joueurs-là qui font la différence, comme Vucevic l'avait fait à Philadelphie, ou quand il termine le match avec plusieurs paniers à 3 points et quelques gros rebonds face à Joel Embiid, voilà, des mecs d'expérience qui viennent finir les matchs comme ça. Ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de différence. Et on en a besoin. Drummond qui a été excellent aussi, lui aussi c'est un vétéran. Et d'ailleurs, tu vois, on parle de Drummond, mais son match a été tellement énorme qu'on en oublierait presque une autre performance qui était de très très haute qualité, mais qui passe un petit peu en retrait par rapport à celle-ci. C'est Ayo. Ayo Dosunmu. Oh, fabuleux. Fabuleux match. Impact défensif, comme d'habitude face à Trae Young. Je le bouscule, je le joue physique, je passe sous les screens, je reste au contact, je conteste, je l'emmerde jusqu'au bout, je le presse du début à la fin, il ne voit pas la lumière tant que je suis là. Gros impact au rebond, il a pris 7 rebonds, donc 4 offensifs Ayo sur ce match-là. Il a fait 3 interceptions aussi, donc il a été, voilà, couper les lignes de passe, anticiper, etc. Et offensivement, il a eu un bon impact aussi avec de bonnes attaques du cercle. Lui aussi, comme Kobe, il allait provoquer des lancers francs. Il a fait 5 sur 6, il a fait 2 sur 4 à 3 points. Il a le meilleur plus-minus de l'équipe avec plus 11. Impact total de Ayo Dosunmu sur ce match-là, et ça fait bien, bien, bien plaisir. Et du coup, bah voilà, quand tu as. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand tu as des absents comme ça, comme Vooch, comme Zach LaVine, comme Torrey Craig, les mecs qui prennent les minutes, ils doivent être capables de produire. Malgré la fatigue, parce qu'on sait que ça réduit les rotations, et du coup il y aura forcément un moment où tu vas être un peu sur les rotules, mais là, et c'était le cas dernièrement, on en a pas mal parlé dans la dernière vidéo où on débriefait le match des Cavs notamment, mais là, les mecs qui sont sortis du banc ont été très très productifs, les mecs qui ont pris les minutes de ceux qui pouvaient pas jouer ont été excellents, Drummond, Ayo, Javon Carter aussi, qui a mis deux paniers à 3 points dans la fin du premier quart, qui a fait des bonnes choses défensivement aussi, donc. C'est franchement une belle, belle, belle victoire. Maintenant, on va voir comment ça va se dérouler pour les prochains jours, parce que, bah, mine de rien,
Voilà, tu sais que tu vas avoir au moins trois absents. Voir comment les rotations vont se dérouler, surtout à l'intérieur. Parce que là, on a vu Terry Taylor qui jouait très, 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 très peu depuis le début de saison. C'était vraiment que des minutes de garbage time par-ci, par-là. Là, il a joué 8 minutes dans ce match-là. Et même s'il n'a pas été mauvais, il a fait son taf. Hein, il a mis deux paniers, il a pris un rebond. Hein, il était pas mal. Mais ça manque de taille. Ça reste un joueur qui fait 2 m 3, 2 m 4 pour être un pivot remplaçant. Voilà. Même s'il est costaud, tu sais qu'il est trapu, il a des bonnes épaules. Du haut du corps, il est capable de tenir son rang. Mais après, voilà, ça va être compliqué. Les minutes hors Drummond, il va falloir jouer small ball, quoi. Tenter peut-être Patrick Williams en 5 avec DeRozan, Caruso autour de lui, ce genre de truc-là, comme on a vu, je crois que c'était à Miami, un des deux matchs à Miami il y a une dizaine de jours. On avait joué comme ça pendant quelques minutes. Ça n'avait pas. De mémoire, je ne sais plus trop si ça avait fonctionné ou pas. Mais enfin, il est possible qu'on revoie ce genre de truc-là parce que. Parce que de toute façon, on n'a pas énormément de taille à proposer. Il y avait Sanogo qui avait été appelé de la G-League pour ce match-là, mais il n'a pas joué. Peut-être qu'on va utiliser l'intérieur malien dans les prochains matchs pour qu'il fasse ses débuts en NBA. Mais voilà, ça reste. Je pense que Donovan est un petit peu hésitant à lui donner des minutes justement à cause de son manque d'expérience. Mais c'est toujours le même problème du serpent qui se mord la queue. Si tu ne le fais pas jouer, il n'aura jamais cette expérience. Donc du coup, à un moment, il faudra qu'il joue quand même. Mais enfin voilà, on va voir comment Donovan va articuler tout ça. Mais c'est sûr que si Drummond continue sur cette lancée, il y a quand même, voilà, y a quand même pas grand-chose à craindre parce qu'on sait que ça va être propre. Ça va être super fun à voir. Donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. L'autre petit souci en termes de l'infirmerie, c'est Kobe White qui disait qu'il avait un petit souci au poignet droit, donc c'est la main avec laquelle il shoote. Il disait qu'il l'avait déjà pendant la période où il shootait, où il faisait des 8 sur 12 à 3 points, enfin, voilà, quand il shootait comme Steph Curry. Donc c'est pas parce qu'il a ce souci au poignet qu'il shoote moins bien en ce moment, mais c'est quelque chose qu'il a depuis maintenant quelques semaines. Et le problème, c'est que bah, comme tu shootes tous les jours aux entraînements, etc., même si enfin, la douleur va difficilement s'estomper, parce que tu n'as pas vraiment l'occasion de reposer ta main suffisamment, parce que tu continues de shooter tous les jours. Donc c'est un petit peu pénible, c'est le genre de truc. Ça, c'est quand la saison est terminée, tu te reposes, pendant 2-3 semaines, tu shootes pas, et comme ça, ça guérit un petit peu tout seul. Mais ça va pas forcément s'aggraver, c'est ce qu'il disait, ça s'aggrave pas vraiment, mais ça guérit pas, quoi. Et donc, bah, c'est juste une douleur, c'est pas non plus catastrophique, c'est pas comme s'il pouvait pas, il pouvait plus plier le poignet, mais voilà, il a une douleur au niveau du poignet parce que. Bref. On va voir comment ça va le gêner par la suite, mais c'est vrai que là, depuis trois matchs, lui, mais l'ensemble des Bulls shoot moins bien à 3 points, donc, mais ils ont été capables de compenser, comme on l'a dit, en allant chercher des lancers, en attaquant le cercle. Donc voilà, on est toujours capable de produire quelque chose pour régler un problème quand il se présente. Donc c'est ce qui est le plus intéressant à retenir à ce niveau-là. Donc voilà, il nous reste deux matchs maintenant en 2023. Hein. On reçoit Indiana ce soir, on reçoit Philadelphie le 30. Et ensuite on va à Philadelphie pour débuter 2024. Ça va pas être simple, hein, surtout sans Vucevic, les deux matchs face à Joel Embiid. Ça risque d'être. Voilà. Ça va être compliqué. Mais enfin bref. On va bien voir comment Billy Donovan va articuler ses rotations pour essayer de contrer tout ça. Et puis voilà, d'ici là, nous, on va observer tout ça, faire d'autres vidéos, faire d'autres articles. Donc voilà, on se retrouve sur Twitter, ici même, et puis on discute de tout ça. Donc voilà, à très bientôt. Merci pour d'être à chaque fois là pour voir ces vidéos, pour commenter, pour participer. C'est toujours fun. Donc. Continuons comme ça et puis voilà, on se retrouve très très bientôt. Donc, ciao, go Bulls.